On est de retour pour LOD cette fois-ci. Et heureusement, cette fois-ci, ça va être un petit peu mieux de qualité. Donc aujourd'hui, on continue le disque 4. Bon, ma manette a décidé qu'elle marchait pas. Simplement réassigner le bouton. Oh là 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 là. Je vais souhaiter que les problèmes vont stopper parce que j'aimerais bien pouvoir faire mon stream. Donc, ça. Ça. Ouais, ça. Le pire là-dedans, c'est que j'ai pris avant de trouver ça tout marcher. C'est tout marcher. Quality stream game, quality screen. Quality, quality. C'est tout ce que je veux faire. Hein? On était à Ulara, Ulara. Nous étions à Ulara. Ulara. La la la. Sauf que ce... je crois qu'il fallait que je trouve les autres, hein? Vous me rappelez bien, chat? Étrange. Ma touche O ne fonctionne pas. Comme ça. Flash le chat, savez-vous le bouclier anti-attaque physique qui vous empêche de manger des coups à chaque pour 3 tours, mettons? En fait, je l'ai oublié dans le premier disque, qui est au château de duel. Mais je sais pas si je peux toujours tourner à la chercher.
ça, je ne me rappelle plus le chat. Je ne me rappelle plus. Je suis pas à l'aise avec juste deux. Thank you.
Pas l'intro des dragons entre nous. Moyen d'y aller. Ouais. What the hell? Il y a assez de bugs à soi. Le problème, c'est que je peux juste l'attaquer de la magie. What the hell?
Bon, merci. Pour aller au Green Fury avant de pouvoir aller autour de Dragon. Hello there, greetings from the east coast of Sweden. Hey, hi there. How's it going tonight? Welcome in. We're playing Legion of Dragoon, the fourth disc. I'm looking for the Tower of Dragoon so I can beat the other dragoons. But I think I was on the wrong way, so I'm exploring. Well, it's still 9 here in the morning. Oh, at my place it's 3 in the morning. But I woke up late, so it's okay. I woke up, it was like maybe midnight or close to it, so I got all my energy to play. I want to clear this disc today. Yeah, I'm a night owl. So most of my streams are on my country in the night. I am at work waiting on missions. Oh! This is the longest part. So it's worth having a cell phone in this situation. I'm a taxi driver. Oh! Well, you might see a lot during your shifts. I heard some stories about taxi drivers. Some even says that it's worse than customer service because it's the same branch but more intense. So you got a harsh position there. I promise it's no fake taxi. Yeah. Yes. Go. 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 Hi, salut Mogis, la forme. Bah oui, la forme. Je suis en train d'essayer de terminer le disque cette fois-ci. J'ai tenté de faire un stream de Resident Evil Remake la dernière fois. Tantôt. Mais mon stream était tellement mauvais puis tellement dégueu que j'ai abandonné puis je me suis dit je vais recommencer quand j'aurai une carte de stream. You are looking for 7 Dragon Towers. Yeah, exactly. I'm looking for the 7 Dragon Towers. I wanna kick their asses. I jumped too soon. Ah yeah, I don't mind. I don't mind about spoilers, ça me dérange pas les spoilers, go ahead. I finished this game so many times, but a long time ago.
j'ai fini ce jeu-là il y a très longtemps. Fait qu'il y a eu un temps que je le connaissais par cœur, mais il y a des bouts qui m'échappent aujourd'hui. Leningrad area, if I remember correctly. Leningrad. Wasn't that where there's the trial? The third disc area. Oh yeah, okay, yes, yes, yes. Leningrad. Yeah, so Crystal Palace. Oh yeah, remember now, it's over the snow area. Yeah. Je me rappelle maintenant, c'est ça, c'est du palais de cristal en fait. Je vais passer par la zone enneigée. Yeah, I'm the second disc area. I had to quit because I've been through Death Frontier, so I had no choice to go through here. J'ai été par la frontière morte, donc j'ai comme pas eu le choix de me ramasser là. Donc là, what I need to do is to get the boat, so I can move from Donald to another place. Alors tu en es où? En fait, je m'en vais m'attaquer à la tour des 7 dragons. Je suis pas entraîné, mon équipe est quand même pas si pire. J'ai les additions maximum pour Albert. Là, je vais te montrer. J'ai bientôt l'addition finale de Dart. Ici, j'avais entraîné Rose, mais je me suis un peu tanné. Ici, ça s'en vient bien pour Rachel. Albert, oui, il a terminé ou presque. I speak French and English. Jaijin, sorry. I speak French and English. So, when I get French message, I answer them in French. And when some people speak in English, I can answer in English. Because my channel is bilingual. Ici, il y a mes rues, je l'ai délaissé. Il y a Congol, je m'en sers pas beaucoup. Puis elle, ben, elle peut bien s'étouffer avec un verre d'eau. Okay, I don't know that much about French. No, it's okay though, Dragon, Jaijin. I can translate for you. It's okay. I'm mostly bilingual, so I can speak English by 90-95%. If you look correct, if you look at the game too, it's in English. Kongal is the best char of this game, if you ask me. Ok, ok, bon courage. Merci Mogus, hein? C'est gentil d'être passé, je suis toujours content de te voir. Kongal is a bit hard to maneuver to me, though. Moi, j'étais sur ce jeu hier soir. Ah, ben j'avais commencé à regarder ton stream, mais en fait, la vidéo arrêtait pas de planter sur moi. Donc, j'ai arrêté de la regarder, je te dirais, en plein milieu. Mais j'avais commencé à la regarder. J'ai vu que t'avais réussi à avoir la bombe de courage. J'ai vu aussi... Oh! Hey, thank you, Jaijin, for the follow! Very welcome. Welcome in, welcome to the Dragon family. Welcome, welcome. I got a Discord too if you want to follow it. My link is just a little outdated. I need to update it, so sorry for that. I pre-ordered this game all this year. Oh, really? Well, I was a little young, but my stepfather was playing this game. That's how I learned about it. And I got obsessed with it, so it's my favorite PS1 game, honestly. Just because of this addition. You don't see that into Final Fantasy. Je suis en train de dire dans le fond que ce jeu-là, je l'adore à cause des additions, en fait. Ce que moi je préfère à ce jeu comparé à Final Fantasy, c'est justement les additions. Well, I didn't have the chance to pre-order it, but a remake is in the way, you know? I still have my discs. Bad condition though. Oh, I remember how bad the first disc condition can get. Every time I was buying this game over and over again, the first disc, honestly, was the worst. Always the worst one. It was always so scratched. And the cleanest one always have been the fourth one. Because, I mean, most of people that got the game, I mean, if they don't like it, they don't get to the fourth one, you know? So... Maybe that's why the first disc is the most damaged one.
All my discs are well used. Well, I believe you. Well, I don't have all my discs. I lost them over the years. But I still have my Final Fantasy Tactics, if I'm correct. Original disc. Lying somewhere. I don't know where, but... Yeah. I still have some PS1 game. What? Why is the boat not here? I've lost count how many times I've replayed it and completed the period. Did you know that the Legend of Dragoon remake was in the work? It's supposed to be on PS5 and next-gen consoles. I gotta drive, I must rush, I'll be back. Hi, no problem, man. No problem, Jaijin. You're always welcome. No stress. I'm still looking to know where I'm going, so... I think I need to go to the castle. So, anytime, dude. I don't wanna have a remake, I know, me neither. They're gonna put it like Final Fantasy VII Remake, if I read correctly. If you want, I can pass the link into the chat, you'll be able to see it. It's awful. Yeah, I will pass you the interview, I'll copy the link into the chat. So if people want to see... Very interesting to look at. Let's see here. It's normal that it's bugging, it's because I'm doing stuff. Here. Copy. And I paste to the chat. There you go. If people want to look at it, it's here. This game gonna be ruined with that, if you ask me. With what you're gonna read, honestly, it's already ruined. They're gonna add this stupid ghost that you've seen in the Final Fantasy VII Remake. Yes. Gosh. Just by seeing that, the game is already ruined. And this says, in this version, Rose and Leavitt get to live. So, do we still get Albert? It's confusing. Because I prefer Albert to Leavitt. Because his additions are so cool, you know? I love this attack. It's the most difficult one and the most challenging one, and it's really fun to do. I don't want to miss that on the remake. I'm happy to see them, you know, with better models. Better graphics and all, but please don't destroy the game. What's the sound problem here? Just a second, guys. I think I got a little sound problem. Oh, it's supposed to be fine. I bet it's the bitrate, there you go. Something's wrong with the balloon. Gosh!
Ça y est, j'ai réussi à tomber l'âme du dragon divin. Oh, quel monstre! Oh là là! Bravo! Bravo, Mogus! GG! Pas facile, ces monstres-là, hein? Ça veut dire que t'es à la cité des âmes, c'est ça? Il m'a tué hier. Oh, l'enfoiré! En fait, ça va être difficile, ce combat-là, en fait. Je les avais complètement oubliés. Il y a une grosse surprise qui t'attend après ces dragons-là, tu sais. Je te dirai pas quoi, par contre. Je vais pas te spoiler, mais... Tu vas voir. Ça s'est joué en un coup. Après, il a gagné. Oh my god! C'est un peu ce qui s'est passé avec moi et le dragon divin, quand il était encore vivant. J'ai dit que je le ferais en off. Ah, ok. En fait, j'ai pas pu voir cette partie-là, parce que ton... le stream, en fait, arrêtait pas de bugger sur moi, puis ça recommençait toujours au début. Ah, je pense que les problèmes de sang sont réglés, chat. J'avais un petit problème de clic-clic dans mon son. Au début et à la fin des combos, pendant certaines attaques, mais je pense qu'il est correct, là. Moi, en fait, tout ce que j'ai fait en off dans cette partie-là, c'est aller me chercher des potions avant le dragon divin, parce que j'en avais plus. J'en ai profité en même temps pour faire quelques additions, qui étaient un peu je te dirais, plates à faire en live, là. Le temps d'aller chercher les potions et revenir, mais à part ça, c'est tout ce que j'ai fait en off. Je pense que je finirai le jeu à la prochaine séance. Intéressant. En fait, ici, regarde, je vais te montrer ce que je peux faire pour améliorer les graphismes, en fait. Ici, tu vois le background, en fait, je peux pas beaucoup l'améliorer. Je peux juste améliorer les personnages. Parce que regarde, sinon, qu'est-ce que ça fait? Je vais te montrer. Ça fait des lignes vertes partout. Tu vois? Regarde les chaises, les toits. Puis si j'essaie ici... C'est beau, mais c'est pire. Et si je le fais au meilleur ici? Tu vois, on voit un beau canard. Ça, c'est la conversion la plus longue. Là, ça devient des petits points autour des chaises. Tu vois encore la ligne dans la boîte. Sauf que... Les graphismes sont beaux. Mais c'est totalement dégueu pour l'immersion et pour le présenter, donc c'est pour ça que je la laisse comme ça ici. Pas comme ça, comme ça ici. Donc les lignes disparaissent. Donc la seule chose que je peux faire, c'est vraiment changer les modèles des personnages. J'avoue qu'il est beau, oui hein. En fait, je le joue sur DockStation. Dans le fond, j'ai pu prendre la sauvegarde sur ma Vita, ensuite la convertir sur mon ordi pour le DockStation, et la continuer à partir du programme. Puis comme tu vois, le son il est clair, l'image imparfaite, puis j'ai aucune perte d'image. Parce qu'ici, dans mon stream, dans mon OBS, ça me dit image perdue, zéro. Donc je suis vraiment content. Par contre, quand j'essaie de streamer ma PS5, c'est la galère. Dans mon dernier stream, qui a duré quand même longtemps sur Léon, j'avais au moins 2000 images perdues. Donc, je crois que je vais devoir avoir besoin d'une carte de stream pour faire ça. J'aurais vraiment, mais vraiment pas le choix. Ça me déçoit énormément, parce que j'étais vraiment content, en fait, de faire ça, mais... Je pourrais pas, malheureusement. Je peux le faire aussi avec la version européenne, si je veux. Mais ça change pas le framerate. Et quand j'essaie d'améliorer le framerate, en fait, le framerate s'arrange. Mais la musique est en accéléré, je te dirais, par 1/5. Donc, en gros, la musique est plus rapide. C'est vraiment étrange. Donc, ça fait une drôle de sensation. Parce qu'en fait, ma crainte, c'est de perdre mon timing de la version américaine si je me mets à jouer la version européenne, tu comprends?
Puis si jamais je suis retourné à ma version américaine, que je connais mes timings par cœur, après avoir joué la version française, j'ai peur de plus être à jour sur mes timings. Ouais, le repère est très lent, c'est justement pour ça. C'est parce que j'ai peur de justement de plus pouvoir faire mes timings à moi si je me mets à jour votre version. C'est juste ça. Parce que c'est quand même le même jeu, puis on l'adore tous, là. Mais c'est vraiment parce que j'ai peur de perdre mes timings. C'est d'ailleurs cette lenteur qui est compliquée à gérer. Vraiment? Ça m'intrigue, là, ce que tu viens de dire. Je pense que je préférerais la rapidité. Mais si t'es bilingue, en fait, tu pourrais jouer sans mal la version américaine. Puis je te jure que Albert en 60 FPS est vraiment, 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 vraiment amusant à faire. C'est, je crois que c'est le personnage le plus rapide que tu peux avoir dans l'équipe. Meru est rapide, je dirais, sur son double coup. Mais après ça, c'est vraiment Albert. Malheureusement, l'anglais est moi. Ouais, je sais, je comprends très bien ça. Je suis un scientifique, pas littéraire. Moi, je suis un analyste. Et j'enregistre. Donc, une fois que ça, c'est là, je pourrais pas mal jouer toutes les versions, sauf, je te dirais, pas mal la japonaise à cause des menus. Je pourrais pas savoir qu'est-ce qui est quoi. Potion, potion, attaque, antidote, je serais trop mêlé. Ça serait la galère. Mais respect quand même. Respect pour toi, parce que tu joues la version européenne, respect. Tu as la volonté qui manque, on peut dire ça comme ça. Une chose que je comprends pas par contre, mon CPU est utilisé à 50... Bon, 50, 20%. What the hell? Je suis en trop chaud, je veux dire. On va essayer ça comme ça. Allez, ferme! Bon. Ouh! Surprise! Lui, je l'adore! On commence par ça, le chat. Après, j'ai connu que cette version. Yeah, c'est peut-être ça aussi. Comme moi, au début, je me suis vraiment habitué avec la version américaine. C'est peut-être pour ça que moi, je parle le changement, c'est difficile. Même que c'est pour toi. Donc, je comprends très bien ça. Et on va faire une tentative. Non, ça a pas marché. D'accord. Est-ce que ce serait considéré un ennemi mineur, ça, ou un ennemi boss? On va faire la tentative. Non, ennemi boss. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, le chat? Ah! Je sais, c'est vrai. Albert, lui, il est anti-élément. Oh! Yes! Ok! Là, on va faire une grosse tentative. Il me les casse. Donc en gros, tous les modèles 2D sont pas améliorés, mais les modèles 3D le sont tous.
Ah, allez, quoi? J'y comprends rien, le chat, j'y comprends rien. Bon, pourquoi mon joystick ne fonctionne plus encore? Ah oui, c'est vrai. Analogique. Encore toi? Cette fois, tu t'en sortiras pas vivant. Quoi? Non, mais il a eu peur. Regardez ça, chat. Il a la frousse, celui-là. Déjà rouge? Ok, je crois que je comprends pas, là. Il veut pas. En fait, je veux me rendre à la tour des 7 dragons. Sauf que je pense que je suis pas au bon endroit. Lui, mais là, tantôt, mon ami anglo, ben, le récent follower, a dit qu'il fallait que j'aille à Zenebatos. Ben, je crois que je suis pas à la bonne endroit. Ouais, c'est ça, c'est pas ici, hein. Je pense que je vais m'en aller de là. Si je peux partir. Donc on va virer de bord le chat. Adieu Rachel. On part pour une aventure. La tour des dragons de Leningrad, glacier, tour des dragons. Oui, c'est cela, t'as raison. Donc ça veut dire que je dois me rendre à la... au panneau, là. Au panneau qui est au sud du château, si je me trompe pas. Pour pouvoir changer de région. Pas de bêtises. On va s'essayer. Tant qu'à pas faire de dommages, on va pratiquer nos additions. Non, mais c'est prendre du temps, lui. Tant mieux. Trop rapidement. Eh, hey, bonjour Mammouth, ça va bien? Comment il va? La forme, la patate, la pêche? Comment il va Mammouth? Mon Mammouth! Oui, Magus, c'est ton Mammouth! C'est le festival de la saucisse ici aussi. Aucune femme dans le groupe, honteux. Oh, on va pouvoir se manger des hot dogs. Allez, je vais chercher le ketchup. Malade, mais mieux. Et vous, les gars? Ah, moi, ça va, ça va. En fait, moi, ma journée commence. Même si pour moi, il est 3h du mat.
Ah, je suis content que ça va mieux, mais au mode... J'ai déjà critiqué le chauve sur ça, à pas vouloir mettre de femme le misogyne. Mais en fait, je sais pas si j'ai des femmes followers en fait. Ouais, je crois que je dois aller au panneau, Mogus, car le bateau n'est pas à Dono. Donc je crois que je dois aller à la pancarte. Donc, allons à la tour des dragons. Au pire, tu y retourneras quand tu auras les ailes. C'est pour bientôt. Les ailes? Quelles ailes? Les ailes? Ah oui, les ailes! Oui, je me rappelle, c'était un espèce de véhicule volant, là. Oui, je me souviens. Mais en fait, j'y suis presque. Fait que ça servirait à rien que je revive de côté. Parce qu'en fait, si je vais par là, je crois que je peux l'atteindre. Il va juste pas falloir changer de disque. Maintenant, à cause de lui, quand je pense taper fort, je dis Congol. Ouais, parfois il est con ce Congol parce qu'il est pas très vite. Mais si tu lui donnes une anneau de vitesse, ça règle son problème, en fait. Il devient aussi rapide que les autres persos. J'avoue qu'Albert, ça me sert plus à grand chose d'avoir dans mon équipe, étant donné que son addition est au maximum. Qu'en dites-vous si je l'échange pour Rose? Par contre, ton jeu est vraiment d'une meilleure qualité, Mogus le noob. En fait, je joue mon jeu sur Dockstation. J'utilise des filtres pour, en fait, améliorer les skins des personnages. Mais par contre, pour les arrière-plans et tous les effets 2D, je peux rien faire pour ça. Ça ajoute, dans le fond, des espèces de lignes bleues dégueulasses un peu partout. Mais je suis vraiment content pareil, ça améliore la qualité des combats. Je peux faire ça avec tous mes jeux PS1 en fait. Sergio. Non, t'as raison, Mogus. Je crois que j'aurais besoin des ailes. À moins que. Ah non, c'est vrai. Il y a d'autres panneaux. Si je me rappelle bien, il y a d'autres panneaux. J'ai pas envie de combattre vous, tel perte de temps. Je veux voir en fait comment me rendre là-bas. Je peux pas. Je vais faire une tentative, voir. On va aller au nord de Sergio. Mais merci pour le compliment, Mammouth, hein. C'est gentil. Il n'y a pas d'autres panneaux ici. Parce qu'en fait, je les vois pas. Je tombe au sud. Si on va au sud, il y a d'autres panneaux. Pas de panneaux. Par contre, tant qu'à être ici, le chat, il y a quelque chose que j'ai oublié au Château Noir. J'ai oublié en fait le bouclier qui annule les attaques physiques. Sinon tu aimes quoi comme jeu? La saga Final Fantasy, la saga Pokémon, Zelda. Ouais. J'aime bien les RPG. J'aime bien les survival horror comme Resident Evil. J'aime les Soul-like, Dark Souls, Sekiro. Sekiro, je suis en mesure de jouer sur mon PC. Par contre la manette est vraiment pas bonne, donc faut que j'achète une autre manette Xbox. Qu'est-ce que je joue aussi? J'aime beaucoup Legend of Dragoon, comme vous pouvez voir. Qu'est-ce que j'aime aussi? Les Final Fantasy, je les aime tous.
sauf le 5, le 3 et le 2. Qu'est-ce que j'aime ici? Je peux vous montrer mes jeux que j'ai sur console. Je peux vous montrer les pochettes, parce qu'on les voit pas très bien derrière de moi. Je vais vous les montrer de proche. Dommage que je peux pas vous montrer mon PlayStation en stream parce que le son est dégueulasse. Mais je peux vous montrer mes jeux CD. J'ai Persona 5 de Royal sur console. Désolé pour l'inversement, attendez une seconde, je vais vous arranger ça. Caméra. Je vais l'inverser pour que vous puissiez le voir. Parfait. Donc j'ai Persona ici de Royal. Ensuite, j'ai. C'est ici, Horizon pour PS5. L'édition collector. Ma stupide caméra et son auto-zoom. Salut Mogus, merci beaucoup, hein. Merci d'être passé, t'es toujours le bienvenu. La bise, prends soin de toi. Et fais la bise au petit de ma part. J'ai Sekiro sur console et je l'ai sur PC. Ça, c'est un jeu PS3, mais pas vraiment le meilleur, je vous dirais. ça, c'est mon premier jeu que j'ai acheté avec ma PS5. Demon's Souls. Et puis, j'ai Ghost of Tsushima sur console. Plus ma quantité énorme et limitée de jeux digitaux, mais je crois que vous pouvez voir ça sur mon premier stream, en fait, de Resident Evil 5, parce que l'image est un petit peu glitchée, mais le son était bon au moins. Donc c'est pas mal cela. Moi, je prends très bien soin de mes choses, surtout mes jeux. En fait, je suis obsédé par les jeux vidéo depuis que je suis très jeune. Donc à cause de cela, en fait, j'ai beaucoup de jeux. J'ai joué à beaucoup de jeux différents. Juste que, en tant que streamer, je suis pas très expérimenté. C'est pour ça que j'ai autant de problèmes de son, autant de problèmes d'image, autant de ci, de ça. Mais par contre, en tant que joueur, j'ai de l'expérience. On va juste changer au disque 2. Donc, changer le disque à 2. Disque 2 ici. Et voilà. Ouais, ils sont quand même assez neufs parce que mes CD, je les utilise pas souvent. Et dans celui-là, mon préféré, je pourrais vous dire, c'est Persona. Et je vous dirais Persona et Demon's Souls. Demon's Souls, honnêtement, en tant que remake, j'ai jamais vu un jeu aussi beau. Et aussi fidèle à son original. Puis si tous les remakes, honnêtement, seraient comme ça, honnêtement, on serait aux anges. Donc, étant donné que le Legend of Dragoon, comme que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est en ce moment en train de se faire remaker, j'ai mis le lien dans le chat si jamais vous voulez voir. C'est une interview, mais en anglais. Vous pouvez toujours utiliser Translate pour traduire l'interview sans problème. Mais en fait, c'est ça. C'est le développeur qui annonce un remake qui est dans le travail depuis 2021. Qui va se passer dans un univers alternatif. Next-gen, donc sur PS5. Alternatif, c'est-à-dire qu'il va y avoir des changements. Donc, les super fantômes de Final Fantasy VII Remake vont être là-dedans, en tant que gardien du temps. Levitz et Rose ne meurent pas dans cette version-là. Par contre, il n'y a aucun détail sur comment que le jeu va fonctionner, mais moi j'espère vraiment avec tout cœur que les combats au tour par tour vont rester. Parce que je ne sais pas comment que les additions vont tourner sur un jeu action comme qu'ils ont fait avec Final Fantasy VII Remake pour de vrai. J'ai un problème moi avec les remakes, je trouve qu'ils perdent leur beauté de base, oui. Et honnêtement, l'esprit, le noyau, là, tu sais, l'émotion, la petite touche d'indescriptible là, qu'il y avait dans ces jeux-là, dans ce temps-là, là,
on le trouve plus avec les jeux aujourd'hui. C'était une salle-là, là, vous savez, ce qui fait là, que ce jeu-là, là, il est quelque chose, là, puis tu vas t'en rappeler longtemps, là. Mais on l'a plus, ça. Parce que c'est rendu, excusez-moi du mot, mais c'est rendu superficiel, les jeux. Faut que ça soit beau, que ça soit vite fait. Puis au pire des cas, on va le patcher, puis on va le mettre en plusieurs épisodes. Je trouve ça ridicule. Parce que ce remake-là va être en plusieurs parties, qu'ils disent en plus. Exactement comme remake. Mais tu veux te dégager, toi? Je veux aller là. Merci. Ah non, mais c'est chiant, celui-là, là. Comment je fais pour y aller? Ne me dis pas que je peux plus y aller. Exemple, Final Fantasy VII Remake, je le trouve pas terrible, car j'ai l'impression que Cloud perd son âme qui faisait son charisme. Oui. Et en fait, ce que moi j'aimais de Cloud, c'est qu'il s'en foutait, qu'il en avait rien à foutre, et refoutre, et encore moins à foutre. Tu comprends? Puis il devient de plus en plus humain à force que l'univers avance. Mais tout ce qu'on voit là-dedans, c'est un Cloud introverti, qui s'en fout un petit peu. Mais il s'en fout vraiment pas assez, contrairement à l'original. J'ai pas aimé non plus la façon qu'ils ont rajouté... Il y en a qui vont me détester, je pense, mais il y en a qui... J'aime pas comment que Jesse est devenu le centre de l'attention, en fait. Il y en a qui vont me détester pour ce que j'ai dit, je sais, mais... J'aime pas comment que Jesse est devenu le centre de l'attention, puis qu'elle a un petit bout d'histoire à elle quand dans l'original c'était pas là. Ok, oui, ça rajoute un petit peu de connexion avec Jesse, mais je veux dire... On s'en fout de Jesse, elle est même pas dans l'équipe. C'est juste un personnage secondaire, on s'en fout. Pourquoi il rajoute une histoire? Tu comprends? Je trouve ça stupide. C'est ça, avec le temps, tu aimais le connaître. Oui, c'est ça, exactement. Ils ont enlevé ce qui... D'après moi, ils ont enlevé ce qu'on aimait de Cloud pour mettre une histoire à la Jesse. On s'en fout de Jesse. Je sais que vous allez me détester, mais je veux dire, c'est quand même ça, là. Je respecte ceux qui aiment Jesse, j'ai rien à dire. C'est pas ça du tout. Mais je trouve ça stupide comment que le jeu est trop différent de l'original. Puis elle est où, l'exploration de Midgard? On peut même pas rien faire. C'est trop linéaire. On peut pas se promener. Sephiroth, ça paraît bien trop de bonheur. On combat une espèce d'univers bizarre à la fin du pont. C'était même pas là. Sephiroth, c'est même pas supposé apparaître avant le village natal de Cloud. Fait que pourquoi le mettre à Midgard? C'est ça, je comprends pas. Par contre, Sephiroth, ils en ont fait un prédateur sexuel à dire des mots doux dans les oreilles de Cloud. Oui, exactement. Totalement d'accord avec toi. Ils l'ont pas pifié, même, je pourrais dire. J'allais terminer le remake, j'allais sur ma console. Oui, je chiale dessus, mais j'ai quand même aimé certains trucs. Mais j'ai pas aimé non plus, par contre, le bout des projecteurs. Ça, c'était idiot. Il aurait pu faire autre chose. Il aurait pu garder le puzzle de la maquette avec le maire, là, dans Shinra. Ça, il aurait pu garder. Mais non. Mais non. Fallait qu'il l'enlève. Dans le chat, je crois que, en fait, Mogus avait raison. Je vais avoir besoin d'avoir les ailes pour aller à la tour des dragons. Donc, dans ce cas, on va aller à rouge. Et je suis totalement en accord avec toi, Mammouth, quand tu dis prédateur sexuel pour Sephiroth. Il est vraiment l'air de ça. Il me faisait même pas peur, en fait. Il était plus comme, oh, dégage, tu m'énerves, quasiment. Plus comme. Il me donnait un sentiment plus dégage, tu m'énerves, plutôt que j'ai envie de savoir c'est qui. Et. Wow, mais il est impressionnant. Non, c'est plus comme va-t'en, tu m'énerves. Tu sais. Ils ont vraiment mis l'axe sur genre. Sephiroth, tourmente Cloud.
Ok, oui, peu tourmenté que l'autre dans le film, parce qu'on connaît tous pourquoi que ça arrive. Mais ça se passe trop de bonheur. Ça se passe vraiment trop de bonheur. D'après moi, ils ont fait ça là, pour les nouveaux joueurs, pour faire « Oh, c'est vrai, c'est là, c'est intéressant, blablabla. » Parce qu'ils vont le mettre à plusieurs épisodes, oui. Mais il aurait quand même dû attendre puis suivre l'original. Au lieu de rajouter plein de trucs inutiles. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui vont donner mon avis là-dessus. Non, mais ça sert à rien de faire ces batailles-là. C'est trop facile. Tiens, je rate mon coup puis je l'ai pareil. Allez, Rose. Ça fait un petit bout, je l'ai pas utilisé. Donnez-moi le temps. J'ai aussi Final Fantasy VI Pixel Remaster pour PC. Donc, une fois que j'ai fini Legend of Dragon, ça va pas. Ça va être un des jeux que je vais probablement streamer. Final Fantasy VI. Ça a été un de mes jeux préférés, ça aussi. La différence, c'est que dans Final Fantasy VII, Sephiroth reconnaît la valeur de Cloud. Dans 7, je m'attends limite à le voir lécher l'oreille de Cloud. Ouais, c'est vrai. Puis en fait, ce qui est moche, c'est que dans le remake, ils ont trop étiré ça. Moi, ce que je vois, c'est vraiment Sephiroth tourmenter Cloud par son prédateur à son oreille. Tandis que dans l'original, on a un flash au réacteur, oui. Mais ensuite, on voit Cloud qui agit bizarrement et c'est tout. On voit pas Sephiroth, là, tu vois, ici et là, là. Ils ont voulu faire comme le film, là, Advent Children. Final Fantasy VII Remake, lécher l'oreille, j'oublie souvent des mots. Non, mais j'ai compris ce que tu voulais dire quand même, Namoti. Mais j'ai aimé par contre qu'ils aient respecté la dignité de Tifa dans le remake. Tu sais, avec les remakes avec les femmes, ils ont toujours tendance à les sexualiser, à grossir de par 4 leur volume de fort, si je peux dire ça de même. Et aussi le niveau de leur, si je peux dire, fêteux. En fait, ouais, c'est toujours doublé de volume ou quadruplé, mais non, Tifa est juste parfaite. L'ont bien fait. Et Jesse, en fait, ils l'ont embelli. Ça, je peux dire ça, oui. Mais j'ai pas aimé les endroits qu'on voyait pas dans l'original. La petite mission avec Jesse quand on doit entrer en douce à sa maison, j'ai trouvé ça cute. J'ai trouvé ça intéressant. J'étais même curieux de voir à quoi ressemblait sa mère. Mais cette partie-là faisait pas partie de l'original. J'aime bien les gens consternés sur la réduction des deux arguments de Tifa. Ah, oh, c'est gentil. Moi, je suis très 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 sensible aux détails dans les jeux. Au pixel près, même. Donc, c'est quelque chose qui attire mon attention, honnêtement. Je vais fixer dessus. Je vais sûrement souvent le mentionner. Comme ici, j'ai tellement amélioré les détails que vous pouvez voir que l'épée de Dark, il n'y a aucune pointe de pixels sur son épée. Si vous allez voir l'original, il y en a plein. C'est très 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 apparent. Non, je peux. Comme... Ah, merde. Mon curseur paraît pas, mais ouais, je pourrais vous le mettre. L'épée de Dark, en fait, est clean. Dans l'original, tu vois plein de défauts de pixels. Tu fais des espèces d'angle droit dessus. Et dans cette version-là, on voyait les phares de Shanna un peu mieux. Aïe. Par contre, la scène avec... vous savez, là, la scène avec Tifa et... le Don Cornello. Oui, Don Cornello. Je la trouve moins marrante,
dans le remake que l'original. Heartblade. Yes. Go. C'était très marrant dans l'original de voir le Don Cornello se faire aller le bassin de son lit. En pixel, c'était vraiment, vraiment, mais vraiment marrant. Et quand Tifa met son pied sur le lit en disant « Si tu ne le dis pas, je te les écrase. » Je vais tout te laisser des bisous. J'ai un colis qui m'attend. Ce con de livreur me laisse un bon de passage plus vite que Flash. Ah oui, ils font ça ici aussi. Au lieu de prendre la peine de sonner, il laisse un carton et il fout le camp avec le colis. Des fois, je l'attends sur le bord de la porte le temps qu'il arrive. Vas-y, merci Mamoud d'être passé, hein. C'était vraiment cool de t'avoir sur le stream. T'es bienvenu quand tu veux. On va faire le changement de disque, le chat. Plus vite que l'éclair. Puis prends soin de toi, hein, je te fais la bise, Mammouth. C'est écrit « Veuillez patienter ». Donc chat, on va aller faire la zone, on va tuer le Kraken, on va pogner ensuite les ailes, puis ensuite je vais pouvoir aller faire la tour du dragon. Puis en fait, je termine pas stream tant que j'ai pas fini le jeu, parce qu'on est sur le quatrième disque, donc ce stream va être très long. Donc à tous ceux qui veulent prendre leur temps, prendre des chips, aller aux toilettes, faire ce qu'ils veulent, pendant les zones plates, allez-y. J'en ai pas. Prenez-vous des chips, des bonbons, on va chiller ensemble le chat. Oh, ça je n'ai pas en tout. On va jeter des trucs. Ouais. Ok. On se débarrasse d'un mind. C'est aussi grave que ça. On va jeter un... dépétrifié. Ça n'est pas terminé, monsieur. Ensuite, on prend... c'est ici. Parfait, on continue. J'attaque, ça va être pour Rachel. Ouais, ça va être pour Rachel. Tiens, on y va le chat. Cherchons les cités anciennes. Vous savez quelque chose à propos d'eux? Wendy? Qu'est-ce que c'est? On est perdu.
pourrais pas savoir. Laissez-moi expliquer un peu. Blablabla, blablabla. La seule comprend pas. Waouh. Une crise mondiale. Pour ça, pourtant, je vais pas échec. Ah ouais. Des choses que les humains ne pourraient pas faire. On va accomplir. Qu'est-ce que vous dites de ça? Il y a quelque chose qui sort du lac. Est-ce que ça aurait un lien? Ah, cette chose dans le dans l'océan. Ouais. Les humains n'auraient pas pu faire ça. C'est où ça? C'est en plein milieu de l'océan. Mais tu peux pas t'en approcher par bateau parce qu'il y a un gros tourbillon. Mais tu peux le voir depuis la colline au top. La colline en haut. On va aller voir ça. On va aller voir Martel. Pour voir si les autres Stardust allaient donner. Bon, ben en fait, j'ai tous les Stardust, puis je savais même pas. Même pas, j'en ai 44. Faut bien en avoir 100. Allez, je t'ai donné. Bon, en fait, je pense pas que je peux affronter le magicien. Bon, on va continuer. Pas besoin de ça. Aïe! Ouh, un gros truc ça. Ça doit être ce que le mec parlait. Il n'y avait pas de bâton il y a 20 ans quand j'étais ici. C'est gros. Et comme on dirait une tour, plus qu'un bâton. Les structures ne pouvaient jamais être faites par les humains. Oh, est-ce que tu sais à propos de ça? J'étais ici avant, n'est-ce pas? C'est vrai, Rose est une des dragons qui a libéré la campagne dragon. Est-ce que tu te souviens de quelque chose? Charles disait que les sphères restaient Magic City, Red City, blablabla. On veut se battre, nous. Je connais l'histoire, en fait, mais la traduire, c'est un petit peu plus dur.
pensais à propos de ça aussi. Le Crystal Palace, puisque Lloyd a brisé la sphère. Allez, on y va. Après, Mogus, lui, la dette, c'est plus maintenant. Après, c'est plus maintenant. Quelqu'un nous observait. Nous observait. Mais qu'est-ce qui se passe? L'océan. L'océan se sépare. Allons-y. Qu'est-ce que c'est? On dirait un fossile. Non, c'est pas vrai. Rachel, est-ce que c'est ça que tu voulais voir? On dirait bien. Merci Dieu qui nous a trouvés. Maintenant, nous pouvons y aller. Avancez. Allons-y. Il était temps. Ben non, je déconne. Je vais vous remonter un peu le volume à vous. Voilà. Bien. Ça va être pas mal équilibré. Allez, allons combattre cette cratère. Juste laisser les pieds avant. Ouais, c'est ce que tu pensais. On va aller se remplir avant. C'est genre, il y a un événement super spécial qui arrive, puis nous on s'en va dormir. Ouais, je veux dormir moi. Bon, très bien, je vois. On va faire ça bien rapide. Bien. On est guéri, on a fait de l'eau. Bon, la vidéo. Oui monsieur, nous sommes des morts.
Rachel a toujours des yeux bizarres. Et des yeux en forme de poing. Il donne un message, mais il dit qu'il oublie le reste. Miranda veut le tuer, puis Mary est comme non, il a rien fait. Ruff, il est cute. Ah, ouais, on va prendre une psychédélique bombe à la Aspen Powers, let's go. What do we have here? Yay, fight! Burnout. Cool, no? Piercing magma. There, what this game. Hein? Je pense que vous avez de toute façon. Que ça serait mieux de mettre dans le bar. Ouais. Trop d'objets. Ça va être mon défi de prendre Kongol ici.
Huh. Die. Huh. Heart blade. Heart blade. Hit
Die. Heart Blade. Yes! Enfin! Finally! Et là, ce truc qui sont là, je vais juste arranger ça. Putain de merde! Où ils sont? Ok. Ouais, ça c'est deux. Dynamo! Die. Heart Blade. Ouais, savez-vous quoi, je vais remettre ma team d'origine, parce que ça, sinon ça va... Non, savez-vous quoi, je mets juste HL. Ben, c'est parfait. Bon, le... Oh, on l'a.
Yes. Touch. Go. Touch. Huh. Touch. Go. Huh. Blazing dynamo. Blossom storm.
die. Heart Blade. C'est ça que vous puissiez voir un peu les points d'expérience, le temps quand je sauvegarde. C'est tout normal. Ça va pas marcher. Change la gueule. Go! Blazing Dynamo!